2 minute scientific rap session. Ainsi la terre sauvera ça demain dans tes oreilles. Mais c'est plus compliqué que ça. Il y a l'abeille qui fait du miel, la même que celle qui danse. Mais en fait y'a pas loin de 1000 espèces. Rien que pour la France, elles n'ont pas toute une heure. La mer des drones y avec des couveuses. Et surtout des solitaires en France, beaucoup plus nombreuses. Si elles sont importantes, c'est pas pour te faire des tartines. C'est parce qu'elles pollinisent les plantes du pistil aux étamines. La pollinisation, c'est comme ça que les plantes font des bébés. Sans pollinisateur, man, les plantes vont succomber. Des bourdons, des papillons et même des scarabées. Je vais t'expliquer comment ça peut jouer sur le PIB. 9 plantes à fleurs sur 10 ont besoin des insectes. Et s'ils disparaissent, mec, tu vas le sentir direct. Car nous mangeons les plantes et ça, ce n'est pas rien. Tous les jours, tout le monde, je te parle pas des végétariens. De toutes les plantes qu'on mange, comment faut que je te le dise? En tout, ça représente 7 aliments sur 10. En l'absence de pollinisateurs, je te laisse imaginer. Ça nous laisse quoi pour le petit déjeuner? Plus de jus de fruits, plus de confiture. Mais qu'est-ce qu'on va manger? Plus d'huile de colza. Mais mec, plus de café. Plus d'aubergines, plus d'oignons, plus d'haricots, plus de citrons. Plus de fraises, plus de kiwis, plus d'oranges, plus de brocolis. Plus de poires, plus de pommes, plus de tiges, plus de cardamome. Plus de chou-fleurs, plus de tomates, plus de carottes, plus de patates. Plus d'avocats, plus d'amandes, plus de moutarde, plus de piment, plus de melon, plus de poivrons. Ça se mange pas, mais plus de coton. La production agricole en serait compromise. La sécurité alimentaire, mon frère, c'est la mouise. Ses conséquences sanitaires, aussi économiques, plus un désastre écologique, c'est pas l'abeille qui pique le plus. Ça ferait mal aux feuilles d'art, par an plus de 500 milliards de dollars d'art. Ma sœur, on n'est pas peinard. Je commence à comprendre, je vois où est le dilemme. Mais alors, dis-moi, où est-ce qu'il est le problème? Eh bien, chez les pollinisateurs, les invertébrés sont en déclin majeur. 40% d'entre eux sont menacés d'extinction. Et je vais te raconter les causes de leur disparition. La destruction pure et simple de leur habitat. L'augmentation des maladies aussi fait des dégâts. La propagation des espèces invasives. L'usage des pesticides et l'agriculture intensive. Le changement climatique affecte déjà les bourdons. Ainsi que les plantes qui leur sont liées, aussi les papillons. Et donc, on est foutu, détruisons pour de bon. Bah allons, peut-être pour nous, car il existe des solutions. Toi, ce que tu peux toujours faire, c'est de planter des fleurs. Par contre, ne mets pas trop de ruches, ça fait des compétiteurs. Souviens-toi, l'abeille n'est pas le seul pollinisateur. Et c'est pas pour autant qu'il faut taper les apiculteurs. Car le plus important, c'est de changer les pratiques au niveau de l'agriculture et des machines à fric. Mais les agriculteurs ne pourront pas s'en sortir sans l'aide des industries et l'aide des politiques. Mais des hôtels à insectes ne fait pas construire dans les bois. Fais gaffe aux espaces verts et fais changer les lois. Ton soutien économique aux agriculteurs qui en ont dans le bide. Diversifie l'agriculture et lâche les pesticides. Ça sent la fleur dans ta maison, mais ça sent le gaz et les papillons. Mais reste zen et pas de bourdon, car on a déjà les solutions. Alors mon lascar, tu veux plus avoir le cafard? Alors sauve mon dard. Alors sauve mon dard. T'auras du nez.